La séance est ouverte. Je déclare ouverte la 15e législature de l'Assemblée nationale. Au terme de l'article 1er du règlement, les 6 plus jeunes députés présents sont appelés à remplir les fonctions de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau. Ce sont M. Ludovic Pajot, Mme Tiffany Dejoie, M. Léanic Adam, M. Pierre Henriet, M. Robin Reda et Mme Bénédicte Pérol. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale est donc constitué. En application de l'article 179 du Code électoral, j'ai reçu du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la liste des députés élus. Les décrets relatifs à la composition du gouvernement ont été publiés au Journal officiel du 20 et du 22 juin 2017. Je rappelle que les députés membres du gouvernement ne peuvent prendre part au scrutin. J'ai le regret de porter à la connaissance de l'Assemblée des décès survenus les 21 mars et 5 mai 2017 de nos collègues de la précédente législature, M. Henri Emmanueli et Corinne Hertel. RL. Le doyen que je suis va vous faire un discours. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, c'est pour moi un insigne honneur que de pouvoir m'adresser à notre Assemblée tout entière réunie en ce premier tour de sa première session, alors qu'elle vient de recevoir l'onction du suffrage universel. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à tous ceux, beaucoup plus nombreux qu'à l'ordinaire, qui n'ont jamais siégé dans notre hémicycle. Que tous, anciens comme nouveaux, puissent contribuer avec succès à notre travail commun dans le respect des opinions de chacun. J'ai aussi la faiblesse de penser qu'à travers vos éminentes personnes, mes modestes propos atteindront ceux qui ont fait le choix de nous élire au nom de la nation souveraine qu'ils incarnent et que nous avons désormais la lourde responsabilité de représenter. C'est ici, à l'Assemblée nationale, que depuis 228 ans se décide le présent et l'avenir de la France. Sont sortis de cette Assemblée la première Constitution française, rédigée au jeu de pommes, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'abolition des droits féodaux, la liberté de la presse, le drapeau tricolore, le suffrage universel, l'instruction nationale, l'unification de la langue française, l'abolition de l'esclavage, la liberté des cultes et l'abolition de la peine de mort. Autant de sujets majeurs et fondateurs de notre pacte républicain qui ont donné lieu à des joutes verbales extraordinaires et des lois fondamentales dont l'histoire retient le précieux écho. Nous sommes tous les héritiers de ces actes fondateurs et nous devons affirmer notre identité parlementaire. Être député, c'est fabriquer la loi. Être député, c'est aussi être relié à une réalité de territoire. C'est écouter, comprendre et faire résonner ici même les aspirations de nos concitoyens, leurs craintes et leurs espoirs, pour apporter par notre travail des solutions concrètes et durables aux problèmes qui touchent tous les Français. Derrière chacun d'entre nous se trouvent près de 100 000 citoyens que nous représentons. Il ne faut jamais oublier que c'est à travers nous que se tisse le lien entre eux et ceux qui nous gouvernent. Des défis colossaux nous attendent, dont en priorité parmi bien d'autres, la lutte contre le terrorisme islamique, la sécurité de nos compatriotes. Le retour à l'emploi pour conjurer le chômage, la baisse de la fiscalité pour rendre de l'oxygène aux ménages et aux entrepreneurs,
le rétablissement de l'école, l'amélioration de la justice, la récompense du mérite pour retisser le tissu social de notre pays et pour que chaque citoyen soit reconnu dans ses droits avec équité, mais aussi dans le rappel de ses devoirs envers la nation. En toute chose, notre devoir est de rendre l'avenir désirable aux Français, parce que possible, parce que chargé d'espoir et de liberté. Notre devoir est de réveiller et de faire vivre la République et les valeurs universelles de liberté, d'égalité, de fraternité pour tous ses enfants. L'onction du suffrage universel n'est pas une fin en soi, elle marque le début de quelque chose de plus grand que chacun de nous, quelque chose qui dépasse tous les égaux, l'immense honneur de servir la France et les Français. Nous avons plus que jamais un devoir, celui d'agir. Je crois en nous, je crois en vous, je crois en notre audace, je crois en votre audace, je crois en notre énergie, je crois en votre énergie. Je crois en la France vivante, exigeante, nouvelle, gagnante, créative et optimiste. Je souhaite reconnaissance et succès à cette nouvelle législature. Vive la République, vive la France. L'ordre du jour appelle, conformément à l'article 9 du règlement, l'élection du président de l'Assemblée nationale. Cette élection a lieu au scrutin secret à la tribune et j'ai été saisi des candidatures suivantes. Madame Laurence Dumont, Madame Caroline Fiat, Madame Laure de Larodière, Monsieur François de Rugy, Monsieur Jean-Charles Tourgourdeau. Les deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise. Je vous informe que les bulletins manuscrits sont valables, mais que les bulletins imprimés sont à votre disposition. Ces bulletins mis sous enveloppe seront placés dans l'urne sous le contrôle des secrétaires d'âge. Le scrutin sera dépouillé par 4 scrutateurs titulaires et 2 scrutateurs suppléants, dont je vais tirer au sort le nom. Monsieur Bruno Questel, Monsieur Florent Bachelier, Madame Sabine Rubin, Monsieur Thomas Rudigos, Madame Sophie Baudouin Hubière, voilà, encore un, et Madame Valérie Beauvais. Voilà, messieurs, dames, vous êtes tous les... Donc vous êtes les scrutateurs titulaires qui vont justement scruter. Donc je vais... Donc j'ai tiré au sort, les voilà, ils sont là, je vous les donne. Je vais tirer au sort par lettre, par qui commencera l'appel nominal. Ce ne sera pas un appel par commençant par A. Et on va voir, ce sera quoi? C'est U. Alors. Alors. Pardon, pour faciliter le déroulement du scrutin, je vous prie de bien vouloir attendre l'appel de votre nom pour monter à la tribune. J'ouvre le scrutin qui est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Donc là aussi, voilà, le scrutin sera clos vers 16h10. Vous voyez, il est 3h10. Voilà, donc j'invite les huissiers à commencer à faire l'appel nominal. Monsieur
secrétaire d'AS qui vont d'abord voter. On commencer dans un instant à appeler à partir de U, qui seront la, les différentes personnes, pour pouvoir justement monter à la tribune. Lettre U, Madame Untermeyer. Lettre V, Madame Vainqueur-Christophe. Madame Valentin. Madame Valletta-Hardisson. Monsieur Vallot. Monsieur Valls. Madame Vansenebrock-Mialon. Monsieur Vatin. Madame De vos couleurs, Monsieur Véran, Monsieur Vercamer, Monsieur Vercher, Madame Verdier-Joucla, Monsieur de la Verpillière, Monsieur Viala, Monsieur Vialet, Madame Wisniewski, Madame Vidal, Monsieur Vigier Jean-Pierre, Monsieur Vigier Philippe, Monsieur Vignal, Madame Vignon, Monsieur Villani, Monsieur Villiers, Monsieur Viry, Monsieur Vuilleté. Lettre W, Monsieur Warsmann, Monsieur Wasserman, Monsieur Wörth, Monsieur Vonner, Monsieur Vulfran. Lettre Z, Madame Zanier, Monsieur Zulesi, Monsieur Zumkeller. Lettre A, Monsieur Abad, Madame Abadi, Madame Abba, Monsieur Aquaviva. C'est bien. Monsieur Adam, Monsieur Ahamada, Monsieur Alauzé, Madame Ali, Monsieur Alliot, Madame Amadou,
Monsieur Anato. Monsieur André. Monsieur Anglade. Madame Antoine. Monsieur Ardouin. Monsieur Arend. Monsieur Attal. Monsieur Aubert. Madame Oconi. Madame Autain. Madame Avia. Monsieur Aviragné. Monsieur Azéro. Lettre B. Monsieur Bachelier. Madame Bagary. Monsieur Bécher. Monsieur Balanant. Madame Bagnier. Monsieur Barbier. Madame Barèche. Monsieur Barrault. Madame Bassir. Madame Bateau. Madame Battistel. Monsieur Battu. Monsieur Bazin. Madame Bazin-Malgras. Madame Baudouin-Hubière. Madame Beauvais. Monsieur Becht. Monsieur Belladad. Madame Bello. Madame Bénin. Monsieur Benoît. Madame Berger. Monsieur Bernalicis. Monsieur Berta. Monsieur Berville. Monsieur Besson-Moreau. Madame Besson-Ballon. Madame Biémouret. Monsieur Bilde. Madame Blanc. Monsieur Blanchet. Monsieur Blin. Monsieur Bois. Monsieur Bolo. Monsieur Bompard. Monsieur Bonnel. Madame Bonivard. Madame Bonneau Vandorme. Monsieur Bonny. Monsieur Borovzik. Monsieur Botorel. Monsieur Boucard. Monsieur Boucher. Monsieur Boudier. Monsieur Bouillon. Madame Bourguignon. Monsieur Bourlange. Monsieur Bournazel. Monsieur Bouix. Madame Boyer Pascal. Madame Boyer Valérie. Madame Braun Pivet. Madame Brenier. Monsieur Breton. Monsieur Bricou Guy. Monsieur Bricou Jean-Louis. Monsieur Bridet. Monsieur Brocard. J'attends un peu. Monsieur Bricou. Oui, c'est bon, Monsieur Bridet. Monsieur Broterson.
Oui, oui, c'est bon. Monsieur Bru. Madame Bruniera. Madame Brûlebois. Monsieur Brun. Monsieur Brunel. Madame Brunet. Monsieur Buchou. Madame Buffet. Madame Bureau-Bonnard. Lettre C. Monsieur Cabaret. Madame Calvez. Madame Cariou. Monsieur Carrez. Monsieur Carvounas. Monsieur Castellani. Madame Catelot. Monsieur Catin. Monsieur Causse. Madame Kazarian. Madame Cazebonne. Monsieur Cazeneuve. Monsieur Cazenov. Monsieur Cellier. Monsieur Césarini. Madame Chalas. Monsieur Chalumeau. Madame Chapelier. Madame Charrière. Madame Charvier. Monsieur Chassaigne. Monsieur Chassin. Monsieur Chénu. Monsieur Cherpion. Monsieur Chiche. Monsieur Christophe. Monsieur Signieri. Monsieur Ciotti. Madame Clapeau. Monsieur Clément. Madame Cloarec. Monsieur Colasseroy. Madame Colboc. Monsieur Collard. Monsieur Colombani. Monsieur Coquerel. Monsieur Corbière. Monsieur Cordier. Monsieur Cormier-Bouligeon. Madame Corneloup. Monsieur Cornu-Gentil. Madame Couillard. Monsieur De Courson Charles. Madame De Courson Yolène. Madame Crouzet. Monsieur Cubert Affon. Lettre D. Monsieur Da Silva. Madame Dalloz. Monsieur Damaisin. Monsieur Daniel. Monsieur Dassault. Monsieur David Alain. Madame David Dominique. Madame de Temmerman Jennifer. Monsieur De Flessel. Monsieur Delatte Marc. Monsieur Delatte Rémy.
Monsieur Delpont. Monsieur Demilly. Monsieur Desmoulins. Madame Després-Audebert. Madame Descamps. Monsieur Descoeur. Monsieur Descrozailles. Monsieur Daréville. Monsieur Di Filippo. Monsieur Di Pompeo. Monsieur Diard. Oui. Monsieur Dirks. Monsieur Dive. Monsieur Djebari. Madame Do. Monsieur Dombreval. Monsieur Dor. Madame Dubié. Madame Dubois Jacqueline. Madame Dubois Marianne. Madame Dubos. Madame Dubost. Madame Dubré-Chira. Madame Duby-Muller. Madame Dufeu-Schubert. Monsieur Dufresne. Madame Dumas-Françoise. Madame Dumas-Frédéric. Madame Dumont-Laurence. Monsieur Dumont-Pierre-Henri. Monsieur Dunoyer. Madame Dupont. Monsieur Dupont-Aignan. Monsieur Dussopt. Monsieur Duverger. Lettre E. Monsieur Elguérab. Madame El Haïri. Monsieur Eliaou. Madame Elimas. Madame Errante. Madame Essayant. Monsieur Euzé. Monsieur Évrard. Madame Fabre. Monsieur Falorni. Monsieur Fanger. Monsieur Fasquelle. Madame Faucillon. Monsieur Faure. Madame Formuntian. Monsieur Fauvergue. Monsieur Favennec-Becco. Monsieur Ferrand. Monsieur Ferrara. Monsieur Fesneau. Madame Fiat. Monsieur Fievé. Madame Firmin-Lebaudeau. Madame Florenne.
Monsieur Folliot. Madame Fontenelle Personne. Monsieur Forissier. Madame Forteza. Monsieur Fréchy. Ah. Monsieur Fuchs. Monsieur Fugit. Monsieur Fürst. Je crois que monsieur Fréchy, oui, ça ne se prononce pas comme ça. Vu sa réaction. Lettre G. Monsieur Gaillard. Madame Gaillot. Madame Galerneau. Monsieur Deganet. Monsieur Garcia. Monsieur Garot. Monsieur Gassiou. Monsieur Gauthier. Monsieur Gauvin. Madame Gait. Madame Genetet. Madame Genevard. Monsieur Gérard. Monsieur Girardin. Monsieur Giraud. Madame Givernet. Monsieur Goesgen. Monsieur Gomez. Madame Gomez-Bassac. Monsieur Gosselin. Monsieur Gouffier-Chat. Madame Goulet. Monsieur Gouttefard. Madame Grandjean. Madame Grandju. Monsieur Gros. Madame Grégoire. Monsieur Grelier. Madame Guérel. Monsieur Guérini. Madame Guévenou. Madame Guillon-Firmin. Lettre H. Monsieur Habib David. Monsieur Habib Meyer. Madame E. Madame Hammerer. Monsieur Amouche. Monsieur Horry. Madame Eugnan. Monsieur Herbillon.
Madame Hérin, Monsieur Hert, Monsieur Hetzel, Monsieur Holroyd, Monsieur Houbron, Monsieur Houlier, Monsieur Huppé, Monsieur Hutin, Monsieur Huyg, lettre I, Madame Iborra, Monsieur Isaac Sibille, lettre J, Monsieur Jacob, Monsieur Jacques, Madame Jacquier Laforge, Madame Janvier, Monsieur Gégaud, Monsieur Géretti, Monsieur Jolivet, Monsieur Joncourt, Madame Josso, Monsieur Joannico, Monsieur Julien Laferrière, Monsieur Jumel, lettre K, Monsieur Camardine, Madame Kamowski, Madame Karamanli, Monsieur Kasbarian, Madame Kerbar, Monsieur Kerlogo, Monsieur Kervran, Madame Katabi, Madame Keder, Monsieur Coquendo, Monsieur Krabal, Madame Crimi, Madame Curic, Madame Custer. Lettre L, Madame Delarodière, Monsieur Labide, Monsieur Labaronne, Monsieur Lachaud, Madame Lacroute, Monsieur Lagarde, Monsieur Laglaise, Madame Lacraffi, Monsieur Lambert François Michel, Monsieur Lambert Jérôme, Madame Lang, Monsieur Laquila, Madame Lardet, Monsieur Larive, Monsieur Larrivé, Monsieur Larsonneur, Monsieur Lassalle,
Madame Lasserre David. Monsieur Latombe. Monsieur Lozana. Madame Delavergne. Madame Lazare. Monsieur Le Boeck. Madame Lefeur. Monsieur Le Foll. Monsieur Le Fur. Monsieur Le Gac. Monsieur Legendre. Madame Le Grip. Madame Lemeur. Madame Le Pé. Madame Le Pen. Monsieur Le Vigoureux. Madame Lebec. Monsieur Laclabart. Monsieur Leclerc. Madame Lecoq Charlotte. Monsieur Lecoq Jean-Paul. Monsieur Ledoux. Madame Le Guille-Ballois. Monsieur Lejeune. Madame Laine. Monsieur Leroy. Monsieur Lescure. Monsieur Letchimy. Madame Lévy. Madame Limon. Monsieur Lioge. Madame Lizot. Monsieur Lorion. Madame Louis. Madame Louvagie. Madame Luquet. Monsieur Lurton. Lettre M. Madame Magne. Madame Magnier. Monsieur Maillard. Madame Maillard-Méhaignerie. Monsieur Maire. Madame Manin. Monsieur Maquet-Emmanuel. Madame Maquet-Jacqueline. Monsieur Marie-Laussian. Monsieur Marlex. Monsieur Marlin. Monsieur Marceau. Madame Marceau, pardon, excusez-moi. Monsieur Martin. Monsieur Masséglia. Monsieur Masson. Monsieur Mathiasin. Monsieur Matras. Monsieur Mattei. Madame Mauborgne. J'attends un peu. Monsieur Mazard. Monsieur Mbaye. Madame Melchior. Monsieur Mélenchon. Monsieur Lorion.
Madame Ménard. Monsieur Mendès. Monsieur Menuel. Monsieur Meignier. Madame Met. Madame Meunier. Madame Meignier-Millefer. Madame Michel. Monsieur Michel Kleisbauer. Monsieur Michels. Monsieur Mignola. Monsieur Millienne. Monsieur Minot. Madame Miraillès. Monsieur Miss. Monsieur Molac. Ah oui, ils sont coincés. Madame de Montchalin. Madame Merck. Monsieur Moreau. Monsieur Morel à l'huissier. Madame Motin. Madame Moutchou. Madame Mullercois. Madame Muscotti. Lettre N. Monsieur Nadeau. Monsieur Nejlen. Monsieur Nilor. Monsieur Nogal. Monsieur Nuri. Lettre O. Madame Aupetit. Madame Obono. Madame Opelt. Monsieur Orphelin. Madame Ausson. Lettre P. Monsieur Pain. Monsieur Paluchkiewicz. Monsieur Pancher. Madame Panonacle. Madame Panot. Monsieur Parigi. Monsieur Paris. Madame Parc. Madame Paul Angevin. Monsieur Pauget. Monsieur Pelois. Tu vois, ça se dit. Monsieur Pelletier. Monsieur Perrea. Monsieur Perrault. Monsieur Perru. Monsieur Persson. Madame Petel. Monsieur Petit Frédéric. Madame Petit Maude. Madame Petit Valérie. Monsieur Peu. Madame Perron. Monsieur Pichereau. Monsieur Petrazewski. Madame Pinel.
Monsieur Pellois. C'est monsieur Pellois, hein. Ah oui, j'aurais dû parier un restaurant avec mes collègues. Ben oui, oui, je sais très bien. Mille excuses, monsieur Pellois. Mille excuses. Madame Pires-Beaune. Madame Piron. Madame Pitola. Madame Poletti. Monsieur Poloutélé. Madame Pompili. Monsieur Pont. Monsieur Portarieux. Monsieur Potier. Monsieur Potterie. Madame Poito. Monsieur Pouliat. Madame Pouziref. Monsieur Pradier. Monsieur Prudhomme. Monsieur Puyot. Monsieur Pupponi. Lettre Q. Monsieur Caténas. Monsieur Quentin. Monsieur Quetel. Lettre R. Madame Rabault. Madame Racon-Bouzon. Monsieur Ramadier. Madame Ramassamy. Monsieur Ramos. Monsieur Raffan. Monsieur Ratenon. Madame Roche. Monsieur Rebérotte. Monsieur Reiss. Monsieur Reitzer. Monsieur Rançon. Madame Ressiguier. Monsieur Reynès. Monsieur Riester. Madame Riac. Madame Rioton. Madame Rist. Madame Rixin. Madame Robert Mireille. Monsieur Robert Thierry. Monsieur Roland. Madame Romero Diaz. Monsieur Roseren. Madame Rossi. Monsieur Rouillard. Monsieur Roussel Cédric. Monsieur Roussel Fabien. Madame Rubin. Monsieur Rudy Goz. Monsieur Ruffin. Monsieur De Rugy. Monsieur Rupin. Lettre S. Monsieur Sadier. Madame Sage. Monsieur Saint-Martin. Madame Saint-Paul. Madame Sanquer. Madame Sarle. Madame de Sarnez. Monsieur Solignac.
Monsieur Savatier. Monsieur Schellenberger. Monsieur Saint-Pastous. Monsieur Sermier. Monsieur Serva. Monsieur Serville. Monsieur Simian. Monsieur Solaire. Monsieur Sommer. Monsieur Sonneforger. Monsieur Sor. Monsieur Stroman. Monsieur Studer. Madame Silla. Lettre T. Madame Tabarot. Monsieur Taché. Madame Tamarelle Vérague. Monsieur Tan. Madame Tanguy. Monsieur Taquet. Monsieur Taugourdeau. Madame Taurine. Monsieur Tessier. Monsieur Terlier. Monsieur Testé. Monsieur Thiébault. Madame Thiel. Madame Tillet. Madame Thomas. Madame Toureau. Madame Tiena. Monsieur Touraine. Monsieur Touret. Madame Toutu-Picard. Ça coince. Madame Trastour-Isnard. Monsieur Trompille. Madame Tufnel. Monsieur Turquois. Tu l'as mis. Je l'ai mis à la place de monsieur. C'est à la place de monsieur Travers. Je vais la voir. Je suis désolée. L'autre, comme il a dit, c'était Pouillat. Pouillat. Ouais. Mesdames, messieurs, y a-t-il une personne qui demande, qui n'a pas voté et qui voudrait voter ? Quand tout le monde a voté. Merci, donc le scrutin est clos. J'invite nos collègues qui ont été désignés comme scrutateurs au début de la séance à se rendre au cinquième bureau pour procéder au dépouillement. Le résultat du scrutin sera proclamé à 16h50. Eh oui. Donc la séance en attendant est suspendue. Profitez de cet endroit.
Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien rejoindre vos places, la séance est reprise. Et donc, je vais vous donner le résultat du scrutin pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Il y avait 567 votants. Il y a eu 24 bulletins blancs ou nuls. Il y a eu exactement 543 suffrages exprimés. Et la majorité absolue était de 272 bulletins. Ont obtenu M. François de Rugy 353 voix. Bien, donc M. de Rugy, comme vous l'avez compris, est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il y a eu en effet d'autres candidats. M. Jean-Charles Togourneau a eu 94 voix. Madame Laure de la Rodière a eu 34 voix. Madame Laurence Dumont, 32 voix. Et Madame Caroline Fiat, 30 voix. Alors, François de Rugy ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame, quel honneur, président de l'Assemblée nationale, et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur le doyen, mes chers collègues, je sais que beaucoup parmi vous partagent une émotion particulière que j'ai pour ma part éprouvée il y a 10 ans. De ces émotions que l'on n'oublie pas, l'émotion de nouvelles et de nouveaux députés qui siègent pour la première fois dans cet hémicycle. Ici se sont écrites des pages essentielles de notre histoire. Ici se sont déroulés des débats passionnés. Ici ont résonné de grandes voix qui ont fait la démocratie française. Ici ont été prises des décisions qui ont forgé la France, son dynamisme économique, son système de solidarité, ses libertés publiques. Sachons nous inspirer du meilleur de ces lieux. Mais ne nous arrêtons pas à ces lieux. L'Assemblée nationale est plus riche de celles et ceux qui représentent la nation que du cadre même de leurs travaux. Nous sommes, vous êtes, dans votre diversité de parcours, d'engagement, de conviction, vous êtes ensemble la représentation nationale. En me portant à la présidence de notre Assemblée, vous ne me faites pas seulement un honneur insigne. Vous me confiez une responsabilité dont je mesure la charge et que je souhaite exercer parmi vous, avec vous. Car nous ne pouvons pas ignorer le défi particulier qui est le nôtre. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, nous avons collectivement été choisis par une minorité de Françaises et de Français. Cela n'entame en rien notre légitimité,
votre légitimité à agir et à légiférer. Car nul ne peut prétendre représenter ou porter la voix de celles et ceux qui n'ont pas participé aux dernières élections législatives. Mais cela vous confère, nous confère, une responsabilité particulière, celle de reconquérir une confiance que des décennies de crise économique, de crise sociale, de crise de la représentation démocratique ont érodée. Confiance dans l'efficacité de l'action et de la parole publique. Ce sera en premier lieu le rôle de la majorité qui devra mettre en œuvre le projet qu'il a porté, tout en conservant en toutes circonstances le respect des oppositions et la volonté de construire des majorités plus larges pour avancer. Dans cet hémicycle profondément renouvelé, dans ses visages comme dans sa géographie politique, la vérité ne siégera ni d'un côté ni de l'autre. Elle naîtra du débat et de la volonté d'agir pour les Françaises et les Français. Redonner confiance, ce sera obtenir des résultats. Mais ce sera également redonner confiance dans nos institutions, dans notre institution. Ma candidature reposait sur un projet que j'ai publiquement exposé. Ce projet, c'est celui d'une Assemblée nationale plus démocratique, plus efficace, plus moderne. Une Assemblée plus démocratique, ce devra être en premier lieu une enceinte où on ne se contente pas de parler, mais où on apprend à s'écouter. Cet hémicycle ne doit donc pas être un lieu de provocation et d'anathème, un théâtre d'excès et de caricature, mais bien au contraire de la sérénité, de la bienveillance, de l'esprit constructif et du respect dans les débats. L'Assemblée ne sera respectée que si elle est respectable dans ses comportements. Au-delà des comportements, cette législature doit être celle de la concrétisation de réformes démocratiques profondes. Elles ont été trop longtemps repoussées. Réduction du nombre de députés, introduction de la proportionnelle, ces engagements du projet présidentiel doivent être menés à bien. Ces réformes seront évidemment portées en lien avec le gouvernement d'Édouard Philippe, mais elles rencontreront un écho plus fort et seront mieux comprises si elles résultent d'une forte mobilisation des parlementaires. Il faudra le faire en collaboration constructive entre le gouvernement, le Sénat et ici, la majorité et les oppositions, afin de réunir la majorité la plus large possible pour les réaliser. Il faut une Assemblée plus démocratique, mais aussi plus efficace. Les Français qu'on rencontre nous le disent souvent. Ils ont le sentiment que le Parlement parle beaucoup, mais agit peu. Agir mieux, c'est d'abord agir plus vite. J'appelle donc tous les groupes de cette Assemblée nouvelle à travailler à des modifications indispensables de la procédure parlementaire. Aujourd'hui, la procédure encourage l'enlisement et l'obstruction. Il faut favoriser la construction, garantir la concrétisation des réformes validées par les Françaises et les Français, mais aussi faciliter l'aboutissement d'initiatives parlementaires, qu'elles viennent de la majorité ou de l'opposition. Si certaines réformes nécessitent une révision de la Constitution, et le président de la République s'y est engagé, il est possible pour notre Assemblée de moderniser de son propre chef un certain nombre de procédures obsolètes, faisons-le. Mais les députés ne sont pas là seulement pour faire la loi. Vous avez pour rôle essentiel de contrôler l'action de l'État et du gouvernement. Le président de la République l'a souvent rappelé pendant ces derniers mois. Il faut un Parlement qui contrôle vraiment. Contrôler efficacement, cela signifiera notamment conquérir de nouveaux pouvoirs d'enquête, d'accès aux documents administratifs, aux rapports d'inspection de l'administration. Cela signifiera plus de moyens pour évaluer sur le terrain les politiques publiques. Fixons-nous pour objectif que chaque exercice d'évaluation se traduise par des recommandations précises de modifications réglementaires ou législatives auxquelles le gouvernement ou les commissions concernées seraient tenues de répondre. L'efficacité, ce sera enfin notre capacité à nous inspirer d'innovations mises en œuvre dans des parlements étrangers. Facilitons les échanges de bonnes pratiques et les coopérations avec les parlements des pays membres de l'Union européenne. Nous avons tout à gagner à cette ouverture. Nos pratiques, mais aussi nos politiques, pourront en bénéficier. Pour être plus démocratique et plus efficace, l'Assemblée devra enfin être plus moderne. Pour nos concitoyens, l'Assemblée est trop souvent le symbole de l'opacité, du secret et du règne de pratiques exceptionnelles ou dérogatoires. Il faut que notre institution entre pleinement dans la règle commune.
Cette législature devra instaurer l'égalité entre les citoyens et les parlementaires. Le projet de loi du gouvernement va dans le bon sens et apporte des réponses trop longtemps repoussées. Mais il faudra aussi des décisions de notre Assemblée sur ses propres pratiques. Retraite des parlementaires, protection sociale en fin de mandat, notes de frais, règles d'emploi et de statut des collaborateurs parlementaires, immunité parlementaire. Remettons tout sur la table et garantissons l'égalité et la transparence. Avec vous, j'agirai pour conforter le rôle du déontologue de notre Assemblée. Ses moyens de contrôle et son indépendance devront être renforcés. Cela éloignera le soupçon et cela nous sécurisera, vous sécurisera, car des règles trop peu claires compliquent l'exercice du mandat et ouvrent la voie aux fantasmes et à l'antiparlementarisme. La modernité, ce sera aussi l'ouverture sur la société. D'abord en menant à bien ici la révolution numérique. C'est un enjeu essentiel pour permettre aux citoyens d'intervenir dans la fabrique de la loi et de suivre les débats, d'inspirer des propositions de loi, d'enrichir le contrôle et l'évaluation des politiques publiques. Mais si le numérique peut beaucoup apporter, il n'est pas tout. Il faudra également que notre institution aille à la rencontre des citoyens, au travers de conférences parlementaires de territoire, associant les députés locaux, les présidents de commission et le président de l'Assemblée nationale. Elle pourrait s'étaler sur l'ensemble de la durée de la législature pour couvrir sur un mandat tous les territoires de métropole et des Outre-mer. Notre ambition ne doit pas seulement être celle de rendre notre institution plus transparente, elle doit être également de la faire rayonner et de la rendre attractive. La modernité, enfin, c'est la mise en œuvre des principes du développement durable dans le fonctionnement et la gestion de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, cette législature est celle du renouvellement profond des députés. Je le constate en parcourant des yeux vos visages sur les travées. Tant de nouveaux visages qui disent la féminisation, le rajeunissement, la diversité. Cette législature est également celle d'une recomposition politique radicale. Nous le constaterons lorsque vous siégerez sur ces bancs au sein de vos groupes respectifs. Mais cette législature doit être celle de la préparation d'une autre révolution, aussi indispensable que les deux précédentes, celle d'une meilleure représentativité sociologique. Nous devrons donc ensemble avancer dans l'élaboration d'un statut de l'élu qui facilite l'accès de toutes et tous, quelle que soit sa classe sociale, à la fonction de député. Voilà, mes chers collègues, en quelques mots, le projet que j'ai présenté d'abord à mes collègues du groupe majoritaire. C'est ce projet qui m'amène où je suis aujourd'hui. C'est ce projet qui m'engage. C'est ce projet que je partage désormais avec vous et que j'entends mener à bien avec vous. Je parlais tout à l'heure de la mémoire des lieux. Il y a aussi celle des hommes. Je tenterai de m'inspirer de celle de mes prédécesseurs dans cette haute fonction que vous me confiez aujourd'hui. La bienveillance qui n'empêchait pas la rigueur de Jacques Chaban-Delmas ou de Claude Bartolone. La volonté de réformer de Jean-Louis Debré ou de Laurent Fabius. La fidélité au projet présidentiel de Louis Mermaz ou encore l'humanité si particulière de Philippe Séguin ou d'Henri Emmanuelli. Oui, de tout cela, je tenterai de m'inspirer, parce que nous savons tous qu'il n'y a pas d'imagination sans mémoire. La mémoire, justement, c'est à cela que je voudrais consacrer mes derniers mots, plus personnels si vous le voulez bien. Tout d'abord, pour saluer la mémoire de Corinne Hérel, qui aurait dû siéger dans notre Assemblée, si elle n'avait été foudroyée en pleine campagne électorale en mai dernier. J'étais à ses côtés et je pense à elle comme beaucoup d'entre vous. En ce moment si particulier, dans une vie publique, j'ai aussi une pensée pour les miens, pour les valeurs que m'ont transmises mes parents et mes grands-parents. Directement victimes de la Deuxième Guerre mondiale, ils m'ont transmis un engagement européen profond qui me rend fier de siéger face à vous, devant ce drapeau européen. Le président Accoyer avait eu la judicieuse idée d'installer ce symbole d'une paix durable dans notre hémicycle. Il y a toute sa place aux côtés de nos couleurs nationales. Je n'oublie pas le goût pour la diversité régionale que mes parents m'ont transmis. De la Bretagne à la Lorraine, de la Corse à l'Alsace, de la métropole aux Outre-mer, nous sommes ici
les représentants de cette diversité qui fait la richesse de la France. Je pense enfin, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, à mes enfants. C'est finalement pour eux, pour l'avenir des générations qui viennent, que nous sommes toutes et tous ici engagés. Puissions-nous leur transmettre à notre tour une République préservée, une démocratie vivante et respectueuse d'autrui et une Assemblée nationale renouvelée dans ses pratiques. Vive la République et vive la France. Beaucoup. Prochaine séance, demain à 15h, nomination éventuellement par scrutin des 6 vice-présidents, des 3 questeurs et des 12 secrétaires et installation du bureau. La séance est levée.